toute la journée, on a des, depuis ce matin, on a des centaines de joueurs qui sont venus s'affronter sous forme de mini-compétition. Donc on a sélectionné les meilleurs et qui se sont affrontés sur une autre compétition, donc en fin de journée, vraiment pour déterminer le premier et le deuxième pour une finale. Qui s'affronteront là en fin d'après-midi, qui pourront jouer également avec deux membres de l'équipe de France. Alors le handipi, c'est une sensibilisation au handicap en fait, où les enfants ou les adultes se mettent en situation de handicap physique, c'est-à-dire les pathologies des membres inférieurs et des membres supérieurs, et puis aussi une approche du monde handisport où on peut jouer même si on a un handicap physique ou mental. Agen, c'est une super ville, pour moi c'est un super souvenir puisque j'ai fait médaille de bronze au championnat de France ici l'année dernière. Donc c'est un plaisir d'y revenir pour une étape du Pink Tour qui en plus marche très bien cet après-midi. Pour le Pink Tour, c'est une bonne animation que l'on va avoir sur Agen. Puisqu'on a un club de tennis de table qui est performant et dynamique. Et derrière ça, le président Michel Sanz dynamise bien son club. Et c'est une excellente initiative d'avoir le Pink Tour, surtout pour la deuxième année consécutive. Tout simplement faire revenir le tennis de table beaucoup plus proche de la population, puisqu'on a un sport qui est très populaire, qui est pratiqué, paraît-il, par 3 à 5 millions de Français. La fédération ne comporte pas beaucoup de licenciés parce que une image peut-être trop de compétition nous limite. Donc on cherche à travers le Ping Tour à nous rapprocher du grand public qui joue, qui aime le ping-pong, qui apprend à maîtriser les trajectoires de balles, et on revient un petit peu à nos sources, le côté loisir.